Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes candidat à la présidence de l'UMP, c'est pour ça que nous vous rencontrons aujourd'hui. Vous avez dans votre programme 5 points qui sont des points fondamentaux, je vais les lire. Nul haut fonctionnaire ne pourra devenir député ou sénateur sans avoir remis au moment de son entrée en fonction sa démission de la haute fonction publique. Le nombre de députés sera ramené de 577 à 400, le nombre de sénateurs de 348 à 200. Nul parlementaire ne pourra effectuer plus de 3 mandats successifs dans sa fonction de député ou de sénateur. À compter de 2014, nul parlementaire ne pourra cumuler sa fonction avec la fonction de maire ou de présidence d'un exécutif local. Un statut de l'élu sera mis en place pour faciliter l'accès de tous les citoyens aux fonctions électives. Mais jamais les élus en place ne vont accepter de perdre leurs avantages. Comment ferez-vous pour faire accepter ces 5 points ? Excellente question. Alors pourquoi ces 5 points ? Ces 5 points tout simplement pour que les Français, tous les Français, sans exception, puissent participer à la vie politique du pays. Aujourd'hui, le pouvoir politique, il est confisqué par un petit nombre. Moi, je veux qu'on ouvre la vie politique à tous les Français pour qu'ils puissent apporter leurs idées, leurs propositions, leur engagement. C'est pas normal qu'un haut fonctionnaire puisse rentrer à l'Assemblée nationale, au Sénat, puis le jour où il est battu, il retrouve son poste confortable, avec tous les avantages qui vont avec. La personne qui est salariée chez Auchan, qui est chef de rayon, qui veut faire de la politique, si elle fait de la politique, qu'ensuite elle est battue, est-ce qu'elle retrouvera son poste après ? Non, elle ne le retrouvera pas. C'est pas normal. Donc je veux vraiment qu'on se batte pour ouvrir la démocratie à tous les Français. Pourquoi je propose de limiter le nombre de mandats des députés et des sénateurs à 3 ? Parce que si vous limitez à 3, vous garantissez le renouvellement. Pourquoi est-ce que je propose qu'on réduise le nombre de députés, 400 députés ? Parce que ça permettra d'avoir des députés plus puissants qui feront de meilleures lois. Donc tous ces engagements me paraissent absolument fondamentaux. Je précise que ces engagements, je me les applique à moi-même. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Alors que rien n'était obligatoire ? Alors que rien n'était obligatoire, moi je ne cumule pas les mandats. Je ne suis pas député et maire, je suis simplement député. J'ai déjà annoncé aux habitants de ma circonscription que je ne ferai que 3 mandats de député, pas un de plus, et j'ai démissionné de la fonction publique. J'étais haut fonctionnaire, j'avais droit à l'emploi à vie, une retraite confortable, j'ai abandonné ces privilèges et j'ai démissionné de la fonction publique. Alors bien entendu, vous le dites très bien, jamais les élus ne voteront cela. C'est le peuple français. Alors comment faire pour faire accepter ces 5... C'est le peuple français qui votera cela par référendum. Il faut soumettre ses propositions au peuple français par référendum. Et les Français trancheront par référendum. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, vous comptez plus de 56 400 followers. Quel regard portez-vous sur ces nouveaux vecteurs de communication en tant que candidat ? Alors, je pense que c'est un moyen formidable de diffuser ses idées. Ça permet d'échanger, ça permet aussi de progresser dans ses idées. J'ai participé à un forum qui était tout à fait formidable, où vous faites une proposition de loi, vous la mettez sur un site internet qui est dédié à cette proposition de loi, c'était la proposition justement sur ces changements démocratiques, et chaque Français peut venir améliorer la proposition de loi, faire des commentaires, faire des critiques, faire des ajouts. Ça enrichit le débat démocratique. Donc moi je suis très favorable à ces réseaux sociaux. Il y a des dérives parfois, donc je pense que ces réseaux sociaux doivent être modérés pour éviter ces dérives, mais je trouve que c'est un formidable moyen d'échanger avec les Français, de faire participer les Français à la vie politique. Sont-ils une chance de développement économique pour le pays et une figure imposée pour l'aménagement du territoire ? Alors ce qui est une figure imposée pour l'aménagement du territoire, c'est l'accès de tout le monde au très haut débit ou au moins au haut débit. Je crois que si vous voulez avoir des emplois dans les territoires reculés, j'ai été ministre de l'Agriculture, je suis très attaché aux territoires ruraux. Il faut que chacun ait un accès au très haut débit dans les délais les plus courts possibles. Est-ce que c'est par la fibre optique ? Est-ce que c'est par la montée en puissance du réseau existant ? On peut regarder techniquement quels sont les moyens. Mais dans n'importe quel village de France, on doit pouvoir avoir accès à un Internet à haut débit pour être sûr qu'on peut échanger des données, on peut échanger des moyens professionnels, on peut changer des plans quand on est architecte, on peut changer des données lorsqu'on est médecin, lorsqu'on est une profession libérale. C'est le seul moyen de garder des emplois dans les zones rurales. Parce que vous avez été un très proche collaborateur de Dominique de Villepin, vous savez que les vacheries en politique viennent souvent de nos partenaires.
Ça... Laurent Wauquiez, qui s'est rapproché de Nicolas Sarkozy, affûte déjà les siennes. Il dit, en ce qui vous concerne, « Je souhaite bon courage à Bruno pour expliquer aux militants que le renouveau, c'est le mariage gay, puisque vous vous êtes abstenu lors du vote de la loi. Comment peut-on s'abstenir sur un sujet de société de cette envergure ?» Moi, je suis très clair sur ma position. Et je pense que les militants apprécient qu'on ne retourne pas sa veste en fonction des événements. Je dis depuis plusieurs années que les couples homosexuels doivent avoir les mêmes protections que les couples hétérosexuels. Et je maintiens cette position. Je pense que le mariage homosexuel ne pose pas de difficultés de principe majeures. En revanche, je fixe une ligne rouge qui est extrêmement claire, qui fait que je n'ai pas voté pour la loi Taubira. Je refuse l'adoption plénière, je refuse la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels, et je refuse catégoriquement la gestation pour autrui. Je m'y opposerai fermement. Et je crois que les électeurs savent avec moi de quoi ils retournent. Ils savent que je n'ai qu'une parole. Ils savent que je tiendrai de manière constante cette position, oui au mariage homosexuel, non au droit à l'enfant. C'est ma position et je n'en change pas depuis des années. Par ailleurs, je voudrais redire mon attachement très, très profond à la famille. Je pense que la famille, c'est le noyau nucléaire de la société. C'est extraordinairement important. Et défendre la famille, c'est aussi éviter de l'imposer comme elle est imposée aujourd'hui, éviter de baisser le quotient familial comme on le fait, soutenir tous ceux qui ont des familles nombreuses. J'ai 4 enfants, je sais de quoi je parle. Que vous inspirent les émeutes de Barbès, de Sarcelles? Comment expliquer cette communautarisation de notre société actuellement? Par notre faiblesse. Avant, on était trop loin dans la repentance. Par notre faiblesse, par notre lâcheté collective, par notre refus de défendre les principes républicains les plus élémentaires. Quand on accepte d'avoir des menus différenciés dans les cantines, en fonction de la religion des uns et des autres, c'est une première entorse au principe de laïcité. Quand on accepte d'avoir des ouvertures différenciées dans les piscines, pour les hommes et pour les femmes, sous prétexte de respecter la diversité, c'est une autre entorse au principe de laïcité. Je pense qu'on doit être ferme sur nos principes, ferme sur nos us et coutumes, ferme sur ce qui fait la République, et qu'à force de transiger, à force de faire des concessions, on renonce à ce qui est la République. Moi, je crois à la laïcité, je la défendrai, je refuse le communautarisme et je suis pour la nation. Quand j'entends François Hollande nous expliquer qu'il faut donner le droit de vote aux étrangers aux élections locales, je suis contre. Je pense que dissocier le droit de vote de la citoyenneté, c'est mettre un clou dans le cercueil de la nation française. Moi, je suis pour la nation et contre le communautarisme. Mais pourtant, dans votre famille politique, vous avez Alain Juppé qui écrit dans les 12 travaux, ce livre qui vient de sortir, qui ne sont pas les 12 travaux d'Hercule, écrit que l'immigration est une chance pour la France. C'est ce que vous partagez? Je pense que notre immigration, elle doit être contrôlée. Je pense que, malheureusement, nos moyens de contrôle de l'immigration sont insuffisants. Les moyens européens comme les moyens nationaux. Aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de personnes qui attendent sur les côtes africaines de débarquer en Europe parce que l'Europe est un continent plus riche que le continent africain où ils vivent. C'est quoi la solution? C'est moins d'Europe ou c'est plus d'Europe? Pour moi, c'est plus d'Europe. Avec une Europe qui contrôle ses frontières, avec une police aux frontières de l'Union, une police forte, une police importante, avec un commissaire européen d'immigration et avec une vraie solidarité des pays européens contre cette immigration clandestine. Lutter contre l'immigration clandestine, c'est aussi lutter contre les filières qui abusent du droit français, qui abusent par exemple du droit d'asile. Moi, je suis attaché au droit d'asile. Je pense que c'est un droit fondamental de notre République. Mais le droit d'asile, il est fait pour ceux qui sont réellement menacés dans le pays d'où ils viennent. Qu'on accorde le droit d'asile aux chrétiens qui sont menacés par les islamistes en Irak, oui, c'est notre honneur. En revanche, qu'on laisse 12 mois, 16 mois, 2 ans des personnes en France qui ne sont absolument pas menacées dans leur pays d'origine, qui abusent de la générosité française, qui sont logés aux frais du contribuable, dont les enfants sont éduqués aux frais du contribuable, qui sont soignés aux frais du contribuable. Personne ne peut le comprendre. Et je pense qu'en étant faible là-dessus, on affaiblit le principe du droit d'asile auquel je suis très attaché. Moi, je propose qu'on réduise de 2 ans à 6 mois le délai d'instruction des demandes d'asile en France pour que ne restent en France que ceux qui ont le droit d'y être. Vous éditez un livre intitulé « À nos enfants ».
dans lequel vous écrivez « Je suis un Français de cette France ancienne qui veut en inventer une nouvelle avec eux » chez Gallimard. N'est-ce pas que de la littérature chez Gallimard face à la mainmise de notre destin par la finance ou les technocrates qui nous imposent un oui quand 53% des Français disent non? Justement, un peu de littérature, un peu de rêve, un peu d'enthousiasme, un peu d'envie. Je pense que la France et les Français en ont besoin. Et ce que je porte dans ma candidature à la présidence de l'UMP, c'est de l'envie, c'est de l'enthousiasme, c'est de la générosité, c'est de manière de dire à tous les militants, allez, on fonce, on met une tête nouvelle à la tête de l'UMP, on va changer en profondeur l'UMP, on va permettre à notre parti de retrouver sa crédibilité, de retrouver sa fierté. C'est ça que je veux porter comme candidat à la présidence de l'UMP. À la lecture de votre livre, on voit bien que vous êtes dans une dynamique de reconquête. Récemment, à Sisteron, vous annonciez vouloir faire un audit des finances du parti pour savoir où est passé l'argent des militants. Avez-vous des nouvelles à ce sujet? Non. Et je pense qu'on en doit aux militants. On leur doit la vérité, toute la vérité. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On va vous souhaiter bon courage.